Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, c'est un home déco. Donc avec un mini dedans, comme vous avez pu voir juste avant, à l'intro. Donc je vous montre de plus près. Donc là, j'ai utilisé la collection Orkinsong en 20 par 20. Donc là, vous voyez, j'ai déjà découpé tout ce qui est die-cut derrière. Donc celle-ci c'est la 30 par 30, mais sinon j'ai aussi utilisé la 20 par 20 et la 30 par 30 j'ai juste utilisé pour le papier de fond ici. Et comme je n'avais pas encore les die-cut, donc du coup j'ai découpé et j'ai utilisé aussi quelques die-cut de Sony Orchid et puis l'autre collection d'Orchid, je ne sais plus le nom, désolé. Moi qu'elle est ici. Ah oui là. Hop. Delicate Orchid. Avec le chipboard aussi de F déco et de la peinture olive. Donc voilà. Il y a juste la dentelle qui vient pas de chez F déco, le petit dies ici et les petits embellissements là que j'avais à la maison mais qui allaient parfaitement et les petites fleurs. Alors ici, hop. Donc le piano je l'ai découpé avec ma Cameo, donc j'avais trouvé un fichier, donc du coup je l'ai découpé. Donc hop, on va laisser le petit focus se faire. Allez. Hop. Allez, petit focus. Voilà. Et ici, quand on l'ouvre, donc j'ai mis un petit ruban. Et quand on l'ouvre, hop, il y a un petit mini. Et ici. Donc là, les petites étiquettes aussi, c'était. Ce n'est pas de F déco, pardon. Vous voyez les grands orchidées et les petits se marient super bien ensemble, les collections. Et ici, il y a un petit mini. Donc, du coup, il fait la forme du piano comme ça, mais j'ai décidé de mettre les décos de ce sens-là. Donc en fond, vous avez des pianos, quelqu'un qui joue du piano. Alors, quand on l'ouvre, hop, ici le petit oiseau en mousse 3D. Voilà. Hop, on peut mettre une petite photo. Donc c'est tenu avec des aimants. Ici, pareil, une petite scénette pour une grande photo. Comme certains papiers étaient bien chargés, j'ai pas voulu mettre plus dessus. Du coup, j'ai fait de ce côté-là. Là, pareil, j'ai inversé. Voilà, donc j'avais dit, je l'ai trouvé sur Pinterest le fichier, puis après ben, je l'ai fait par moi-même, donc avec les petits pieds, et j'ai tout ancré en vintage photo, il me semble. Un petit strass. Donc voilà, donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce petit embellissement, enfin ce bel embellissement, n'importe quoi, ce home déco. Donc ça peut être parfait pour un mariage aussi. Et c'est tout simple à faire en fait, c'est pas compliqué. Hein. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.